Si tu apprécies mon contenu, je t'invite à me soutenir en effectuant une donation ou alors en regardant des publicités sur ma page Utip qui se trouve dans la description. Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais t'apprendre comment ajouter un Spectrojo sur OBS Studio. Alors un Spectrojo, tu as déjà certainement vu cela sur des chaînes de musicales comme les chaînes Nation, Monster Cat. Enfin bref, ça peut être une idée plutôt sympa pour des streams musicales, de mix ou éventuellement pour un écran d'attente tout simplement. En tout cas, je vais te partager deux solutions. La première, c'est avec Fubar 2000 qui est un lecteur de musique assez light et qui va lire uniquement des musiques qui sont stockées sur ton PC. Donc dans le cas contraire, si tu utilises des plateformes de streaming comme YouTube où tu es actuellement, Spotify ou encore Deezer, t'inquiète pas, j'ai aussi une solution pour toi et avec un peu plus de possibilités que ce que propose Fubar 2000. Alors si tu veux tester Fubar 2000, tu peux le télécharger dans la description. Celui-ci intègre de base différents Spectrojo. Le problème, c'est que niveau personnalisation, c'est pas trop ça. Donc on va s'intéresser avec un autre Spectrojo que tu peux intégrer sur Fubar 2000 qui se nomme Musical Spectrum. Celui-ci est disponible dans la description. Donc tu vas cliquer sur le lien et ensuite télécharger juste ici donc le fichier zip pour télécharger Musical Spectrum. Donc pour ma part, il se trouve sur le bureau. Ensuite, tu vas dézipper le fichier avec 7-Zip, WinRAR, donc un logiciel dédié, donc extraire vert. Comme ça, du coup, on a tout ça dans un dossier. Et donc, dans le dossier, on aura le plugins en fichier DLL. Donc, ce fichier, on va faire clic droit dessus, copier. Ensuite, on va se rendre dans les fichiers de Fubar 2000. Donc, sur le disque dur où j'ai installé Fubar 2000, donc là, en l'occurrence, mon SSD. Dans Programme File x86, si tu as un PC en 64 bits, si tu n'as pas de PC en 64 bits, théoriquement, ça sera juste Programme File. Voilà, donc là, c'est séparé en fonction des logiciels qui sont compatibles en 64 bits ou en 32 uniquement. Et ensuite, on va se rendre dans Fubar 2000, dans le dossier Components. Et donc là, du coup, tu peux voir que je l'ai déjà installé juste ici, donc tu fais clic droit, coller, et donc le plugins sera installé. Ensuite, on peut lancer Fubar 2000. Alors fais pas attention à l'interface, je l'ai un peu personnalisé à ma sauce avec différents plugins que j'ai trouvé sur internet. Bon, ça va pas changer à l'utilisation de Fubar 2000. Donc pour vérifier qu'il est bien installé, on va aller dans File, dans Preference, ensuite dans Components, et donc là on peut vérifier juste ici que Musical Spectrum est bel et bien installé. Donc du coup, pour afficher le visualiseur, donc je vais lancer une musique que tu ne vas pas entendre parce que c'est une musique copyright et j'ai pas envie d'avoir des soucis avec YouTube. Donc la musique est lancée, je vais aller dans l'onglet View, dans Visualization ainsi que Musical Spectrum, et donc voilà, j'ai mon visualiseur. Alors de base, il ne va pas ressembler comme ça puisque je l'ai déjà configuré pour mon écran d'attente. Donc pour du coup accéder aux paramètres, on va faire clic droit sur le visualiseur et on va cliquer sur options. Et donc là du coup, tu as toutes sortes de paramètres. Alors la première chose que tu vas faire, c'est mettre donc le fond, donc le background en vert, puisque du coup on va faire comme si tu avais un fond vert derrière toi, on va faire de l'incrustation en chrominance. Ensuite, je t'invite, alors tu peux laisser si tu veux un dégradé sur les barres ou si tu veux faire comme moi juste une couleur blanche. Donc ça, c'est à toi de régler comme tu le souhaites, donc en faisant remove, add, etc. Ensuite, tu peux afficher si tu souhaites les pics, donc là, juste ici. Donc là, tu vois qu'il y a des petites lignes blanches. Bah, en fait, ça correspond aux pics, donc aux crêtes du spectrum, voilà, donc du Spectrojo. Donc si tu veux, tu peux l'afficher. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est le bar spacing. Donc c'est pour améliorer, voilà, pour un peu plus d'espace entre chaque barre du Spectrojo. Donc là, pour ma part, je ne vais pas le faire. Ensuite, donc tu peux régler l'amplitude, voilà, donc si tu veux que ça prend uniquement à partir de moins 40 décibels. Moi, pour ma part, je vais laisser à moins 60. Tu peux ensuite choisir les notes. Là, ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est le FFT size, si tu souhaites qu'il soit un petit peu moins réactif, si tu veux qu'il soit un peu plus... un petit peu moins sensible. Donc là, il suffit simplement d'augmenter les samples pour... On doit voir en tout cas un Spectrojo qui reste vraiment très réactif. 8192, c'est pas mal parce qu'après, si tu commences à aller en dessous, ça va être un peu trop dégénéré. Donc voilà, 8192 ou alors 16384, c'est pas mal aussi. Après, au-delà, on commence à être vraiment sur un visualiseur qui est pas assez sensible à mon goût.
Voilà, donc du coup, tu configures, si tu veux, tu peux recopier littéralement les paramètres que je dispose. Et ensuite, tu cliques sur OK, ou puis même dans les settings, là ici, tu peux avoir différents pré-réglages de paramètres. Donc, tu peux importer, exporter les paramètres comme tu souhaites, si tu souhaites les passer à quelqu'un d'autre, à tes potes, etc. Enfin bref, donc une fois que tu as paramétré, tu cliques sur OK. Ensuite, alors tu fais attention de ne pas réduire la fenêtre de Foobar 2000, donc tu peux le caler dans un coin derrière Discord, etc. Puisque si tu réduis la fenêtre, le visualiseur ne marchera plus sur OBS. Donc là justement, on va se rendre sur OBS, où là du coup j'ai mon écran d'attente avec ma cam Logitech C125 qui filme mon setup, ainsi que la petite animation que j'ai fait sur After Effects avec mon logo, un dégradé, des particules. Donc là on va ajouter la pièce qui manque le visualiseur, donc on va cliquer sur plus dans la liste des sources, on va ajouter une capture de fenêtre, voilà, donc ensuite je peux le nommer visualiseur, là je vais laisser capture de fenêtre parce que c'est juste pour le tutoriel. Et donc ensuite, donc là on peut voir que ça a déjà sélectionné le visualiseur. Je vais décocher capturer le curseur parce que si jamais je passe mon curseur sur la fenêtre, ça serait dommage que ça s'affiche dans la scène en fait, tout simplement sur l'incrustation. Et donc là du coup, pour faire l'incrustation fond vert, on va faire clic droit sur la capture de fenêtre, on va aller dans filtre. Ensuite on va ajouter un filtre, donc incrustation par chrominance chroma key. On clique sur OK. Et donc là, on peut voir que l'incrustation est déjà mise en place, donc il n'y a pas besoin de faire de réglage, ou à part si on veut par exemple qu'il soit un petit peu en transparent. Bref, après, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, du coup, je vais le caler juste en dessous, comme ceci. Je vais un petit peu l'agrandir pour que ça prenne toute la place au niveau horizontal sur la scène. C'est un petit peu problématique. Je vais un petit peu zoomer, je vais faire mise à l'échelle, canvas, comme ça là du coup... Je peux zoomer sur la scène et je peux être un peu plus précis, comme ceci. Donc là, du coup, mise à l'échelle, canvas, et ensuite pour se déplacer, on reste appuyé sur la barre d'espace. Comme ça, on peut se déplacer avec la molette et on reste appuyé avec le clic gauche. Voilà la petite astuce pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui veulent faire en tout cas des scènes un peu plus précises. Et donc là, du coup, la capture de fenêtre, je vais le caler juste en dessous mon calque. Juste en dessous de mon calque, donc là j'ai un petit calque noir qui assombrit en fait ma caméra pour que du coup mettre plus en valeur l'animation After Effects que j'ai réalisée. Donc l'animation After Effects, c'est cette couche qui va du coup charger, puisqu'en fait c'est une source internet que j'ai mis en place sur Stream Elements. Voilà, donc là je vais remettre la musique parce qu'elle vient tout juste de se terminer. Comme ceci, et donc voilà, on peut constater, et là je viens de faire justement l'erreur, ce qui est de réduire Foobar 2000, c'est pas ce que je dois faire, je le dis qu'il faut pas le faire, et je trouve le moyen de le faire, bref, c'est par réflexe. Mais voilà, du coup, le visualiseur est mis en place, et justement avec un petit peu des réglages, si on ajoute un dégradé par-dessus qui est en transparence, et bien on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà, je vais donner un peu quelques idées créatives dans le tutoriel, et notamment dans la deuxième partie sur Plane 9. Alors Plane 9, contrairement à la Foobar 2000, ce n'est pas du tout un lecteur de musique. Là, on est sur un vrai visualiseur 3D disponible gratuitement. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il va prendre en fait, le son du PC, donc qui va s'adapter à n'importe quel logiciel, que tu sois sur YouTube, sur Spotify, sur SoundCloud ou... Bref, il va prendre tout simplement le son du PC. Encore une fois, le lien est dans la description. On va se rendre dans l'onglet Download et on va cliquer sur Free Download puisque c'est un logiciel gratuit. Pour ce qui est de l'installation, c'est un jeu d'enfant, suivant, etc. Voilà, donc là, je vais le lancer qui se trouve dans le menu Démarrer, Plane 9. Et donc ensuite, je vais cliquer sur Configure Plane 9 pour accéder à la configuration du logiciel. Donc voilà, du coup on voit qu'on a des tonnes et des tonnes de visualiseurs. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place une nouvelle playlist. Et donc là du coup tu sélectionnes la playlist. Et donc là du coup voilà, après ça va être un petit peu à toi de tester ce qui t'arrange. Donc là si tu veux un visualiseur plus classique comme je t'ai montré avec Foobar 2000, eh bien c'est celui-ci, c'est le Block Spectrum. Donc pour le mettre en place, on clique juste ici sur le petit vert. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai quelque chose que j'ai déjà mis en place sur ma playlist. Voilà, donc c'était les lignes. On verra ça juste après, histoire de donner quelques idées. Mais bon, bref, du coup, voilà, j'ai uniquement
le Block Spectrum. Donc là, une fois que j'ai quelque chose qui m'intéresse, je clique ici sur cette petite icône qui va du coup lancer une fenêtre avec du coup le visualiseur. Alors là, il se met à s'exciter un petit peu parce que là, il trouve pas de source audio, donc c'est normal. Là, je vais remettre une musique sur Foobar 2000, je vais le relancer. Voilà. Donc là, on peut constater que le visualiseur commence à réagir un petit peu mieux. Alors là, on peut voir qu'on a justement le système de pic que je disais tout à l'heure sur Foobar 2000, où là, ça garde un petit peu en mémoire les pics pendant quelques secondes. Là, le souci de Planes 9, c'est qu'on ne pourra pas avoir de réglage sur chaque animation. Néanmoins, on va pouvoir faire quand même quelques petites choses sympathiques sur OBS. Donc, pareil, la même chose, on évite de réduire Planes 9 parce que sinon il ne va pas du tout réagir sur OBS. Et donc là maintenant, sur OBS Studio, pour ajouter Planes 9, on ne va pas faire de capture de fenêtre puisque là on est sur un vrai visualiseur. On va faire une capture de jeu et là ça va nous permettre d'avoir une très bonne incrustation. On va pouvoir vraiment le mettre en transparent et ça va être franchement chouette. Donc on va ajouter une capture de jeu. Voilà, on clique sur ce, on fait OK. Ensuite, on passe en mode capturer une fenêtre spécifique. Dans la fenêtre, on choisit Planes 9 juste ici. Et donc ensuite, je vais cocher autoriser la transparence. Et là, boum, on peut voir que la transparence est déjà présente. Et donc voilà, on a le visualiseur que je vais pouvoir zoomer et me caler juste ici. Et donc là, je peux faire clic droit sur la capture de jeu, filtre, et ensuite ajouter une correction colorimétrique. Et là, du coup, je peux m'amuser à pourquoi pas changer les couleurs, donc avec le décalage de teinte. Voilà, si par exemple, je veux quelque chose, voilà, genre un petit peu bleu clair et bleu foncé vers le bas. Je peux m'amuser aussi à essayer d'avoir quelque chose de blanc en augmentant le gamma ou alors la luminosité. Non, c'est plutôt ça, la luminosité. Je suis en train de me tromper avec le contraste, c'est pas grave. Mais voilà, par exemple, avec la luminosité maximum, on peut commencer à avoir un rendu en blanc. Alors, c'est vrai que ça rend un petit peu moyen avec justement les pics, les crêtes, parce que là, c'est légèrement transparent. Voilà, donc ensuite, on peut, pareil, caler en transparent avec l'opacité. Et donc là, si je remets comme ceci en dessous de mon dégradé et de mon calque noir pour assombrir la webcam, et ben on peut voir qu'on a un petit visualiseur qui est pas mal. Alors certes, pour moi, je suis un petit peu moins fan de ce visualiseur contrairement à celui de Foobar 2000, mais on a quand même quelque chose de sympa. Je peux même baisser un petit peu si je veux que ça soit un petit peu, enfin qu'il y ait moins d'amplitude. Voilà, et donc bref, du coup ensuite on peut s'amuser à trouver d'autres choses plutôt sympas sur Planes 9. Donc moi, ce que je conseille, il y a Searchlight, on peut faire quelque chose de grave sympa avec celui-là. Je vais montrer vite fait. Donc Searchlight, je le sélectionne, je le lance. Donc là on voit que c'est des spots lumineux, et donc là du coup si je retourne sur OBS, il va détecter, voilà, la capture. Et donc là, on peut constater qu'en transparent, ça fait quelque chose d'assez sympa, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, du coup, ça fait des spots lumineux et ça fait des petits flashs, des petits scintillements. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et ensuite, donc, il y en a plein d'autres. Firefly, ce qui peut être sympa. Line, que j'avais du coup activé tout à l'heure, que j'avais laissé en place dans les paramètres de Planes 9. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Wave aussi qui est pas mal. Alors, le souci de Waves avec ces vagues, c'est que du coup, c'est en RGB. Donc, par moment, il y a des couleurs qui font que quand tu mets en transparent, ça va pas être visible. C'est ça le petit bémol. Il y a d'autres plasmas qui peuvent être pas mal. Spectrum Océan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, bref, je te laisserai tout simplement voir Planes 9. Essaie en tout cas de t'amuser avec plein de visualiseurs que tu peux trouver du coup sur Planes 9. Amuser un petit peu avec la correction colorimétrique d'OBS, afin que tu puisses caler en transparent. Bref, c'est et un petit peu d'inspiration et tu pourras faire en tout cas quelque chose de plutôt sympa pour ton écran d'attente. En tout cas, si tu as le moindre question ou éventuellement le moindre problème, tu peux venir me voir sur Twitch où je stream à peu près 3 jours par semaine. Donc le lien est dans la description. Toujours dans la description, j'ai aussi mon serveur Discord avec plus de 400 membres où on joue, on discute en salon textuel, on partage plein de trucs et aussi on s'entraide. Il y a justement un système de tickets pour ça. Donc si jamais je suis pas dispo, que je suis pas en stream et que tu veux aussi de l'aide, tu peux
peux venir sur mon serveur Discord. Voilà, et puis comme je le dis en début de vidéo, si tu veux soutenir, si tu apprécies mon contenu, tu peux me soutenir en regardant des publicités sur ma page YouTube qui se trouve dans la description. Je te remercie d'avoir regardé ce tutoriel en intégralité. Putain, j'en perds mes mots, décidément. On se retrouve très prochainement pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir pourquoi pas d'autres logiciels, des produits, etc. C'était Valentin Bram et je te dis happy streaming.